We have 6 minutes left. Question, I was very quick. I just mentioned 6 minutes and the hand went up, but we'll take a couple of questions. So please. Nadia Moti, does it work? Okay. Nadia Moti, professor of Mohammed V University in Rabat. We know that one of the darkest sides of globalization was the illicit trade, which stands also to the UN Sustainable Development Goals. Now, from the PPP, we know that from the private sectors, they're more interested by profits. Government is probably more interested by, let's say, citizen perspective. When we talk, the Procureur General talk about human trafficking, organs trafficking. With all my respect to Mr. Marcardier, when I see Louis Vuitton handbag trafficking, I think I will put more focus on what the government can do for this kind of trafficking, and then you will probably do more efforts on that. Do we have to prioritize all this illicit trade, or do we have to tackle the issue of illicit trade from a global perspective? This is my first question. Second question, when it comes, I don't know how to say it, but when it comes to all the law that has been done for the traffic trade, how comes that they're not applied? How comes that there are still certain things that we should be working on? And thank you. Thank you for the question. Questions here, the gentleman, and then. Merci, Monsieur Laïchoubi, académicien, ancien ministre algérien. Je voudrais très rapidement faire peut-être, sous forme de question, un lien improbable, mais qui, à mon sens, est important. Je ne connais pas très bien les caractéristiques du commerce illicite dans les pays développés, mais ce que je peux évoquer, c'est que dans la région, en dehors de la cause de l'affaiblissement de l'État, qui aussi notamment pour des raisons géopolitiques, on a préféré parfois discuter, encourager la relation avec des groupes sociaux plutôt qu'avec des États, peu importe. L'action du terrorisme a généré, dans la période du terrorisme pour le financement et pour le contrôle d'une grosse partie de la société, sinon de la société, a pu mettre en évidence que souvent l'action terroriste a mis la main sur et le commerce illicite ordinaire, normal, celui des marchandises, et l'intégralité des autres substances, drogues, etc. Et de façon assez puissante, puisque parfois, ils ont, dans certaines zones, généré des capacités financières supérieures aux États dans lesquels ils étaient implantés. Alors, aussi, le côté intéressant, c'est que même quand vous avez jugulé le terrorisme et qu'il a été totalement éradiqué dans sa capacité de nuisance violente, on s'aperçoit que son redéploiement se fait souvent sur le commerce illicite où il exerce un quasi-monopole. Et donc il vient avec une autre mentalité, une autre philosophie. Il est né en marge de l'État, il ne reconnaît pas les organisations institutionnelles et il imagine qu'il a été un moment, dans des conditions géopolitiques précises, encouragées. Et donc, à mon sens, ces éléments-là, s'ils sont admis comme des éléments de débat, la solution peut tenir compte de l'intégralité de ces aspects. C'est de coupler le débat avec l'affaiblissement de l'État, mais avec la naissance de ces groupes sociaux et leur évolution. Et on continue à remarquer, ça veut dire que, pour moi, je prédis que dans la zone Moyen-Orient, les lendemains de grands conflits, on aura exactement le même sort, en sachant que notamment la Syrie, qui est un État qui a une capacité commerciale et qui tirait beaucoup de bénéfices, risque de se retrouver dans cette même situation. Je vous remercie. Merci pour le comment. Il y a une question ici. And then we'll ask to the answers. We take 3 questions. Merci. Je m'appelle Hassan Saoudi, je suis chercheur associé à l'Institut Royal des études stratégiques. Concernant la contrefaçon, je pense que géographiquement, c'est un secret de polichinelle. On sait d'où ça vient, on sait dans quel continent. C'est des déclinaisons opérationnelles qui nous manquent.
Mais il y a quelque chose de plus inquiétant, et le monsieur le ministre en a parlé, c'est la menace la plus globale, c'est le terrorisme. Or, le terrorisme a besoin d'une ère de la guerre, et c'est là où il le trouve. Afghanistan, Liban, l'Afrique, dans les zones grises. Le trafic des êtres humains est quand même un créneau porteur pour la nébuleuse terroriste. Le trafic de stupéfiants, etc. Et donc, c'est là où il faut agir. Évidemment, on a un problème, la souveraineté des États, les frontières. Or, et vous l'avez tous dit, c'est un problème global. La criminalité transnationale organisée ne s'occupe pas des frontières, et c'est à nous, les États, de ne pas s'en occuper aussi, parce que c'est un problème qui doit être réglé de manière transfrontalière. Et c'est là où, par exemple, dans notre continent, on a ce problème-là de travailler ensemble et de percer les frontières pour essayer de cerner. Et je pense que le terrorisme et l'argent généré par le terrorisme pour la trésorerie de guerre du terrorisme doit être une priorité internationale et régionale aussi. Je vous remercie. So, I think it's all around the question on organized crime, terrorism, the states which are getting weaker and so on, and a question on prioritizing or on different illicit trade. So why don't you start maybe, Laurent, first, because you've been calling calls. Je vais essayer un début de réponse globale. Sur la relation contrefaçon, commerce illicite, crime organisé et maintenant terrorisme, sont des choses qui existent. On n'est pas dans de la science-fiction, on est dans des éléments qui sont en procédure avec des dossiers célèbres qui ont abouti finalement à reconnaître, alors en dépit de ceux qui se cachaient les yeux sur la réalité, que ce lien, ce financement existait. Je vous renvoie très simplement vers un excellent rapport qui avait été remis en 2017 à Michel Sapin, l'ancien ministre de l'économie et des finances français, de l'Union des fabricants. C'est 30 ans d'histoire du terrorisme au travers 30 ans de financement par le commerce illicite et la contrefaçon. Donc c'est quelque chose qui existe, et sans révéler des grands secrets, il est évident que dans chacune des procédures dans lesquelles nous pouvons déceler un début de quelque chose qui pourrait s'apparenter à une radicalité, évidemment, ces éléments sont immédiatement transmis aux autorités locales, parce que c'est pas notre métier de travailler sur ces questions. Et je prends 10 secondes simplement pour répondre à Madame le Professeur. C'est vrai que il faut quand même aujourd'hui savoir que ces groupes criminels organisés ont massivement investi le secteur de la contrefaçon pour une raison très simple: c'est là où on gagne beaucoup en risquant le moins. Donc il ne faut pas, à mon sens, sectoriser en disant il est prioritaire de travailler sur le trafic d'êtres humains, le trafic d'armes. Ces mêmes familles criminelles font l'ensemble de ces activités criminelles. Je renvoie juste à une étude des douanes américaines sur les familles criminelles turques. 30% aujourd'hui des revenus de ces familles criminelles turques proviennent du faux, alors qu'il y en était il y a 15 ou 20 ans exclusivement dans un trafic dédié au trafic d'héroïne ou au trafic d'êtres humains. Donc cet investissement majeur, et au travers la contrefaçon, il arrive que des unités de police judiciaire découvrent d'autres activités criminelles. On cherche de la contrefaçon, on va trouver des stupéfiants. On cherche de la contrefaçon, on va trouver des dépôts d'armes. Et donc je pense qu'aujourd'hui cette réponse globale est aussi au travers une globalisation de ces activités criminelles et la réponse qui doit être faite. Jean-François ? Je pense qu'il n'y a pas de contradiction entre le fait qu'il n'existe pas de priorité au niveau international, même si effectivement on ne peut pas mettre sur le même plan le trafic d'organes, le trafic d'êtres humains et la contrefaçon de sac à main. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'il importe, c'est que sur la plateforme commune de choses sur lesquelles on peut tous ensemble travailler, lutter contre la corruption, mettre en place des systèmes de confiscation des avoirs criminels, avoir des réglementations de base qui soient communes, là on peut faire. Et après c'est à chaque État, sur la base de cette plateforme commune, ce châssis et ce moteur commun, construire un automobile qui répondra à ses besoins. En Afrique, dans certaines parties d'Afrique, ce sera lutter contre la disparition du rhinocéros dont on
coupe les cornes. Dans d'autres régions d'Europe ou d'Afrique, ce sera la lutte contre les organes ou la lutte contre le trafic d'êtres humains. Dans d'autres régions, ce sera aussi tout le trafic de médicaments avec les dommages que ça peut causer en termes de santé publique. Donc, les priorités, je pense que c'est aussi à chaque pays de les établir, mais sur la base d'un travail en commun. La vraie priorité, c'est d'abord de faire ce socle. Carlos, you just... Oui, simplement pour renforcer les messages digitaux. Si on arrive à appliquer les normes de sécurité qu'on peut faire tous, par exemple, pas acheter un produit dans un site qui ne soit pas HTTPS, combien de marques aujourd'hui n'utilisent pas encore cette technologie de base, et il permet à n'importe qui d'acheter n'importe quoi. Beaucoup de médicaments, 50% des médicaments faux dans l'Internet sont vendus à travers des sites qui ne sont pas validés. Fermer tous ces sites-là, comme LVMH avait fait très effectivement, ce sont des hygiènes, je dirais, des bases qui nous permettent de résoudre les problèmes. Et il faut investir sur le digital. Les nouvelles générations sont complètement équipées avec les outils nécessaires. Et c'est à nous simplement à renforcer ce message. I think we close it here, since Jerry is looking. So thank you, panelists, thank you, the public, and thank you, Terry, for organizing this panel. I think it's very useful. Thank you.